Deux semaines et demie avant l'ouverture des Jeux du Québec à Sherbrooke, l'organisation ne peut plus attendre. La compétition de ringuette aura finalement lieu au Centre Julien Ducharme de Fleurimont. Elle devait se tenir au Centre récréatif de Rock Forest, mais les problèmes d'éclairage et de réfrigération de la patinoire persistent toujours. Nous annonçons... Une situation embarrassante pour la ville de Sherbrooke. Elle avait pu rénover l'installation de Rock Forest grâce à une subvention de 5 millions de $ provenant d'un programme spécifiquement dédié aux Jeux du Québec. Pour l'instant, j'ai aucune raison de croire qu'on ne touchera pas la subvention. Est-ce qu'on est gêné? Il y a tout le temps des trucs qui sont des imprévus. Donc, on souhaite juste que ça va bien se passer avec le ministère, mais un imprévu, c'est un imprévu, là. Le groupe MEAS, basé en Montérégie, devait livrer un bâtiment fonctionnel au début du mois de janvier. Est-ce qu'il y a des pénalités qui vont être chargées à cet entrepreneur-là? Là, on est dans l'étape où on collabore avec l'entrepreneur pour régler la situation, puis par la suite, on démêlera tout ça au niveau contractuel. On est déjà, depuis ce matin, en train d'apporter les modifications. L'organisation des Jeux se serait bien passée de ce déménagement. En quelques jours, elle doit revoir le plan de transport des athlètes, en plus de retourner en impression de l'affichage et de la documentation. Bon, c'est sûr que ça va engendrer des coûts de quelques milliers de dollars, du temps également pour les employés qui vont devoir refaire le travail. Mais en même temps, on est prêt à supporter ça. Là. On n'a pas le choix d'apporter des correctifs. Est-ce que vous allez demander à la Ville d'éponger ces dépenses-là? Honnêtement, à ce moment-ci, je ne pourrais pas vous dire. On n'a pas analysé cette situation-là. On va voir exactement les coûts que ça va engendrer. Je pense qu'on va commencer par savoir combien ça va coûter. Puis ça va être quoi les ententes qui vont être prises après avec les partenaires appropriés. Puis s'il y a des frais, sûrement qu'on va voir comment on peut s'organiser là, avec les Jeux. On ne veut pas que les Jeux subissent une perte parce que dans nos installations, il y a une problématique là. Et comme on n'était pas supposé se servir du Centre Julien Ducharme, il y avait d'autres types d'activités qui étaient prévues ici durant les Jeux du Québec. Va falloir les déplacer, ça aussi. On a en tête l'aréna Eugène Lalonde et aussi le Centre récréatif Rock Forest, oui. Si c'est prêt. Jasmin Dumas, TVA Nouvelle, Sherbrooke.